Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les Philly News. Les nouveautés. Bienvenue en 2100, où les progrès technologiques vous permettent de construire des superstructures imposantes à la pointe de la technologie. Complétez des contrats, gagnez en prestige et soyez l'architecte le plus adulé de Megacity. Dans ce jeu à deux joueurs, contrôlez Roméo d'un côté et Juliette de l'autre, et tentez d'organiser des rencontres secrètes avec votre moitié pour vivre votre amour au-delà de la haine qui oppose vos familles. Le volcan de Krakatoa est entré en éruption. Profitez-en. Déplacez les monstres, ramassez des gemmes, mais faites attention aux coulées de lave qui pourraient bien décimer votre tribu entière, ou celle de vos adversaires. Sort également cette semaine Welcome to La Petite Mort, Hound's End Guerre Éternelle, Encore Kids et un placard d'autres. Bientôt disponible. Piocher un personnage et tenter de le faire deviner aux autres de façon minimaliste avec des cartes colorées. 15 couleurs, des tonnes de possibilités. Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs. Revivez les années 20 à la tête de votre gang. Investissez dans le commerce du rhum, les pièces de voiture, les armes ou les courses de chevaux. Affrontez votre plus gros concurrent et devenez le gangster le plus redoutable de Birmingham. Après le snack, place au brunch. Cette suite directe de Jurassic Snack introduit de nouveaux dinosaures, de nouveaux jetons au pouvoir unique et la possibilité de combiner les deux versions pour encore plus de fun. Et dans le reste du monde ? Cette année, le Festival des Jeux des Scènes aura lieu sur Internet. Le Spiel Digital francophone sera présenté en direct par Trick Track le week-end du 22 au 25 octobre. Les Philly News, c'est terminé. À la semaine prochaine et bonne fête aux Denis. Ah !